Ouais, j'ai un poisson qui a pris. Poisson. Regardez ce qui vient d'arriver. Grosse pêcheuse. Attention, rigole pas. Là devant toi, ça a chassé là. Ils sont beaux ces fish. Oh, je sais pas si vous l'avez vu, il était énorme. Pas si t'entends, mais les grenouilles elles sont à fond. Je crois qu'elles sont en chaleur, hein. C'est pas possible. Hein. Après j'avoue qu'aujourd'hui ils ont annoncé 30 degrés, week-end de chaleur monumentale. Hein. L'appareil photo est juste derrière. Hein. Ah ouais, elle est en tournage. Hein. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, il faut bien travailler. Mais bon, un travail comme ça, c'est la passion, on kiffe. Hein. Les grenouilles infernales quoi. Bon, on attend madame et on se passe sur du fish. Hein. J'ai sorti les lunettes polarisantes cette fois-ci. Pour ceux qui le se demandent, c'est la petite vengeance de chez Shimano. Je te jure, elle est hyper légère, je la kiffe cette canne, truc de fou, j'ai fait pêche verticale avec, tu vois, en porte-plume, tu vois, comme tu peux faire des lancers et tout, franchement, elle fait de tout cette canne, j'avais payé 40 euros, après le petit moulinet, bah, c'est un moulinet jusqu'à Perlin, l'Action, c'est ça, Action, je sais même plus le nom, voilà, c'est un 2000, il fait le taf aussi, franchement, moi je suis content, tu vois. Tu vois la petite attache que j'ai là les gars, par contre pour ceux qui n'ont pas d'attache sur les cannes, ça vaut 1€ chez Temu. On a acheté ça, j'en ai je sais plus combien, 5 ou 6. Ben et franchement ça fait le taf. Hein. Bon allez, voilà bon, ce montage simple, j'ai pas mis de mérillon là, ça va un peu peut-être me déranger, mais bon on va mettre un verre canadien. Je me demande si on va pas couper en deux même, non, je sais pas. Parce qu'ils sont très très longs. Hein. Ah mais il est tombé par terre tellement. On va le monter comme si on faisait un wakey. Ah putain, comment il glisse quoi. Tac. Tac, hein, comme si c'était un wakey. Ils sont très longs, ouais, j'avoue, j'aurais peut-être dû les couper en deux. Par contre, les grenouilles, elles sont infernales. Hein. Bah allez, c'est parti, on va commencer. Bon, aujourd'hui, on est qu'en avril. Chez nous, je vous raconte pas comment il va faire au chaud. Trop bizarre. Hein. Allez, bon, on va voir si on peut toucher du black bass par-ci par-là. Tu vois, des fois, faut pas hésiter de tirer dans des trouées comme ça là. Je sais que ça paraît dégueu, mais on sait jamais, tu vois, s'il y a un poisson qui a les parages. Faut pas hésiter à lancer quand même. Là, il y a eu un bon black. Ouais, j'ai un poisson qui a pris. Poisson, fish on, yes, yes. Allez le premier les gars. Yes. Regardez, oh il est beau. Bon là on est en pré-spawn, hein. On n'est pas encore au moment où il niche, hein. Oh il est beau. Yes. Regardez. Bon par contre les gars, regardez, ils sont pas encore les yeux rouges, hein. Mais ça va pas tarder donc on va pas trop les embêter. Je pense que ça sera l'unique vidéo qu'on fera. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, je préconise pas forcément de les pêcher sur les nids. C'est pas le but. Hein, mais là, on est en pré-spawn, tu vois. Allez, petit repart. Et assez repart. Regardez-le. Donc ils sont pas loin. On n'est pas encore en nid. Parce que je les vois y chasser. Mais ouais, je pense que ce sera la seule unique vidéo qu'on fera les potes sur le black bass parce que ils vont pas tarder à nicher. L'eau elle est vraiment pas froide et voilà. Bon, on va laisser les verres là, je pense. Bon, tu vois, petit verre canadien. Donc, comme je disais, on ne pêche pas sur les nids, ils sont en pré-spawn, ils sont pas encore sur nid, sinon on les embêterait pas. Et comme je disais tout à l'heure, ouais, le pré-spawn est assez difficile dans notre région. Et là je pense que ça sera le dernier moment les gars et donc c'est pour ça qu'on refera pas de vidéo sur le black bass parce que je pense qu'il va nidifier assez rapidement. Donc ça sera la seule unique vidéo sur le pré-spawn black bass. En tout cas j'espère que vous allez kiffer, on va essayer d'en faire quelques-uns et puis voilà. Oh, il est énorme les gars devant moi, regardez. Mais il a eu peur quoi, s'il te plaît quoi. J'ai dit quand ils sont solo ils veulent pas mordre, hein. Il vient vers toi là-bas, il a peur. Il arrive vers toi en furax, hein. Oh, il y en a deux qui arrivent là-bas. Attends, là par contre, concurrence alimentaire. 3. Là oui. Ça y est.
Ça y est, je fais. Ah, j'ai raté. Bonjour. Bonjour. Ouais, Black Boss. Ouais, les Black Boss. Je vous suis sur YouTube. Ah, sympa, merci. Ah, ok, ouais. Il faut venir nous voir quand c'est comme ça, t'inquiète. Hein. On mord pas. Hein. C'est clair. Ah, il y en a 3 là. On fait les pré-spawn. Après, on arrêtera de pêcher parce qu'ils vont sur les nids. Tu sais. Et là, on va en pré-spawn. Ouais. T'as pêché à la carpe ou ouais. Et bah, bon courage parce qu'il y a des herbiers partout. Ouais, alors, je sais pas où tu vas te mettre. Chambois, il est là-bas. Énorme. Alors, je vais essayer de pêcher en frondaison. Le problème, c'est que mon leurre, il est pas très coopératif. Il fait un peu la gueule, tu vois. C'est mon leurre, bon, pff, mon verre, ça y est, je le cerveau qui a grillé. Merci le soleil. Oh, maman mia, il est juste là. Mon Dieu, caca. Meuf, concentre-toi. Meuf. Il y en a un qui est gros. Oh, il est gros. Attends, attends, j'attends qu'il arrive. Yes! Fais gaffe, t'es monté fin, hein, fais gaffe. Hein. Tu l'as fait, ça y est? Putain, il est énorme! Oh, ah ouais, il est balèze celui-là! Ah ouais, montre à l'écran! Ouais, vas-y! Oh, il a pris une. Regardez les gars ce qu'il a pris! Coup de bec de. Oh le pauvre! Ouais, de cormoran! Et je vais faire ma grincheuse, mais bon, c'est pas grave! Donc, une canette! Une canette! Une canette, 3, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pas pour aller là, c'est-à-dire à la poubelle. Et voilà, c'est pas compliqué. Oh. Bon, petit quelque chose à vous montrer les potes pour aujourd'hui. Oui, c'est le moment. Ouais, bah du coup, on a reçu les... Carnabox. Donc merci à Carnabox, enfin à la boîte de pêche. Un grand merci. Voilà, la boîte de pêche nous a fourni pêche, ça. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce que c'est Carnabox? Ben, c'est tout simplement des box que tu peux recevoir chaque mois par abonnement, etc. Tu as plusieurs modèles différents et dedans tu as du gros matos de grosses marques. Voilà, donc du coup tu as plusieurs modèles différents. Là on a la Predator, comme tu vois, qui est valable pour le petit carnassier. Du oui, coup, perche, truite, black bass, chevenne, etc. Voilà. Etc. Et ensuite, on a reçu la plus grosse, la Monster. La Monster. Voilà, qui est valable pour les plus gros carnassiers. Voilà, tu as pas mal de choses. De toute façon, c'est valable aussi pour la carpe, etc. Mais là, on est ciblé pour le carnassier parce qu'il va y avoir bientôt l'ouverture du carnassier. Oui, c'est bientôt, oulala. Voilà, donc du coup, dans ces boîtes-là, donc là, dans la Monster qui est valable pour le silure broché. Voilà, tu vas retrouver un petit peu de tout comme leurre de montage et autres. Oh. Là, notamment en marque, on a du Gunky, tu vois, un gros crank. Un ensuite, crank. On a du Chatterbait de chez Need to Fish. Ensuite, il y a voilà, des spinners de toutes marques. Vraiment, c'est des grosses marques, même Rents avec les fameux Rock Vibe. Ouais. Voilà, du coup, il y a tout ça dans les boîtes. Il faut savoir que chaque... moi les boîtes elles changent, enfin le contenu des boîtes change, donc voilà, il peut y en avoir pour tout le monde. Donc en tout cas nous on a déjà testé, validé et on kiffe boîte de pêche. Ah et ouais, ce c'est qui... génial. Franchement c'est stylé, mais le packaging est vraiment très stylé, donc voilà, mais c'est surtout pas. Vivement l'ouverture du carnassier. Ah ouais. Pour tester tout ça les potes, moi en tout cas je kiffe parce qu'on avait déjà travaillé avec eux pour les carpes, les boîtes de carpes. Et franchement c'est du matériel sélectionné, de qualité, et on n'a jamais eu de problème, d'ailleurs on s'en sert encore aujourd'hui, donc vraiment... tip top. Hein. Bon, attendant, on va continuer à pêcher. Pêche. On attend la personne qui doit arriver. Parce qu'il y aura une petite ici reprise. Ah, ah bon? Mais avant qu'elle arrive, j'ai envie d'enchaîner, tu vois. Ah oui, il faut y aller. Bon, regardez qui vient d'arriver. C'est Mila. C'est Mila. Grosse pêcheuse. Attention, rigole pas. Ah ouais. Elle est sur Insta. Elle pêche énorme, elle. Et si on se faisait un petit concours, hein? Qu'est-ce que t'en penses à l'écran? On fait un petit concours. Allez, mais tu veux. On fait un petit concours. Allez, on va dire, allez, le premier, celui qui fait le plus gros poisson, il aura la surprise, mais de toute façon, c'est toi? Je suis pas sûr, hein. Allez, d'après vous, dans les commentaires, qui c'est qui va gagner? Tom, Mila, moi, bon, je vois là, par les branches. Hein, elle en a fait un gros, j'avoue. Elle m'a dépassé. J'ai la toise. Hein. Moi aussi, voilà. Impeccable. On a la toise, hein, donc c'est parti. J'en ai essayé, j'en ai fait un, moi, j'en ai tapé un, il m'a mis un gros dessus. Ah ouais? Là, il est parti, relancé, et là, il m'a pris. Parce qu'il y a le gros herbier, ils sont juste derrière. Bon là, on l'a laissé tranquille le coin, donc à mon avis ils sont revenus, tu vois. Putain, il y a déjà les moutes quoi. Bon allez, on les mesure, au pire j'ai la toise. C'est lui qui fait le plus gros. Ouais, derrière les jonques là. Et moi j'ai accroché la branche à droite. Balancier quoi.
j'ai pas lancé quoi. Ils font que ça, ils font les allers-retours en fait. Je le voyais pas hein, en plus. Hein. Ouais, mais t'es là, il y avait pas l'ombre comme ça, je crois. Ça y est, c'est Mila qui l'a fait. En fait, j'ai décroché juste avant, ça, je l'ai énervé, voilà. Elle est beau, hein. Même que le mien. Tout de fou. On est dur ? Ouais, vas-y. T'as la toise ou je prends la mienne, comme tu veux. Je t'attrape la toise. Ouais, mais elle, elle a eu facile, je l'ai énervé, elle l'a fait juste après. Ah non, non, essaye de le faire à partir de là, ma mère. Ah ouais. Oh, il est beau. Hein. En fait, il faut les énerver, tu vois. Moi, je pars. 30. Ouais, tu peux avancer vers la droite. 36 et demi, allez. Ouais. Bien joué. Ouais, bien joué. On pousse. Je me dis qu'elle pêche. Hein. Ah, je crois qu'elle a fait un. T'es un peu loin là. Oh purée, elle est gros de ouf. Oh purée, j'arrive vite, je filme là. Ah, oh, ma canne. Vas-y, essaye de mesurer. Ouais, vas-y. Oh, les branches, c'est bon quoi. Ouais, là. Il est énorme. Ah, oh, mince. Ah oh, non. Ah, oh, ben j'espère qu'on l'a vu sur la GoPro. J'arrive. Aïe, ça pique. Oh. Je vais m'énerver. Lâchez-moi ma canne. Apparemment, Mila a fait un 40. Et elle a fait glisser. Bon, on va lui compter, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Elle pêche, hein, t'as vu? Elle est jeune, hein. Ça pêche de ouf, là. En tout cas, ils nous battent, je crois, là. Les premiers, je vais pas les compter, puisque c'était juste en mode d'essai, tu vois. Ah, voici de la battre, la petite. Non, sans déconner, elle pêche vraiment bien. Et il était full bordure, celui-là. Ah, bien, il a bien pris, ouais. Ah, mais il était full bordure, et il a eu peur, c'est ça le pire. Mais il était quand même. Le vert c'est radical, moi je pêche comme ça tu vois. Alors il fait 35, 35 les gars. Ouais, bravo Mila, et de 3. Ça, là, 3 ou 4 ouais, je sais même plus tu vois, elle me fait tellement. Ils sont beaux ce fichier. Allez, elle nous bat les gars, moi je te le dis. Je suis dégoûté. T'as, les jeunes ils me battent quoi. Elle vient de voir un gros black là. Elle peut peut-être le faire potentiellement. S'il était en chasse. Dans les algues il a tapé. Dans les algues, carrément. Ah, des fois, faut pas hésiter, même dans les algues. Là, devant toi, ça a chassé, là. Rara, ah, les petits alevins, tu l'as vu? Il doit traîner par là, hein, parce que les alevins ont bougé de ouf, là. Putain, le wapa, il est dans les algues. Tu l'as? Elle l'a vu, dans le trou, là-bas. Ouais, j'ai chaud, je vais à l'ombre, t'es. On va aller là-dedans, là. Hop, paf. Ouais, et il y a les alevins qui ont bougé là, j'aime pas trop, tu vois. Je sais pas si vous l'avez vu, il était énorme. Oh purée, énorme. Oh le cochon. Oh, c'était un cochon lui. Mon dieu, je peux pas lancer là-bas. J'enfile tout pour avoir. Purée, c'est pas vrai. T'en as vu un? Sérieux? Oh, j'en ai un avant moi là. Mila, 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 viens, il y en a un là qui traîne là, il veut pas me prendre. Allez, 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 il va, il va, il va, il va. Est-ce qu'il a pris les gars ou pas? Ah, plein d'écrocs! Ah, il avait dans la bouche, je l'ai décroché quoi. Il est là-bas. Oh, il y en a qui a bougé là. Bon, bon. Vous êtes régalé. Voilà, petite fin vidéo, ouais. Tranquillou. Vous avez kiffé? Ouais, Mila a dû kiffer. Hein. Voilà, vous avez vu, elle a enchaîné. Franchement, elle pêche bien. En tout cas, elle pêche très bien. Gros pouce bleu à eux. Gros pouce bleu. Ouais, du coup, vu qu'ils ont été sages, et vu ce qu'on vous a présenté sur la vidéo, parce qu'eux, ils n'ont pas encore vu, mais nous, on a fait une présentation de quelque chose tout à l'heure. On a une surprise. Voilà, petite surprise pour eux deux. Voilà. On leur offre. Et une du coup, les carpes box, je vais dire. Non, du coup, on leur offre les carnes à box.
Bah ouais, voilà. Vous pouvez redescendre dedans, bien. Tu vas voir, vous allez kiffer, je pense. Il y a du beau matos. Hein. Voilà, voilà, on espère qu'on vous a diverti, toi, derrière ton écran. Voilà. Mina, t'as kiffé, ça va, tranquillou. Ouais, j'ai gagné, quoi. J'ai gagné. Non, en vrai, elle pêche bien, j'avoue, là. Impeccable. Sauf qu'elle m'a piqué un poisson. Ça, je le. Là, j'ai pas fini d'entendre parler, là, pendant une semaine, au moins. Bon, allez, on vous dit à la prochaine vidéo. On espère que vous avez fait kiffer une fois de plus. Un fiche, reste un. Fiche. Fiche. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de votre entourage, de la nature. Poisson, de la nature. Et surtout, kiffez la pêche. La pêche. Hein, comme il a kiffé, là. Ah ouais, elle en fait du poisson, je vous garantis. Sur ce, on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao. Salut.